je veux être harmonieux. Ma copine me laisse encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous, vous avez acquis tous les principes divins, mais il manquait maintenant les lois et vous violez les lois sans vous rendre compte autant en pensée, autant en parole qu'en action. Donc vous voyez, donc vous avez un pas sur les autres. Et c'est ce que nous avons commencé à apprendre dans notre petit groupe. Et vous avez commencé tous, chacun de vous, à ressentir quelque chose de différent dans sa vie ou encore de plus élevé. On n'attendait pas que un président ou un pape vienne s'asseoir. N'attendez pas. Ses occupations au quotidien ne lui permettent pas. Et c'est normal, il y a quelque part là. Soit il est en train de descendre, soit il est en train de monter. Qui sait? Mais je suis d'une chose. Quand on est en train de monter là-haut, sauf s'il a fini et il monte et il est arrivé ici en haut maintenant et il connaît maintenant. Maintenant, s'il y en a, je veux voir ça en eux par les gestes, par ce que vous appelez les actes de compréhension. Est-ce qu'il a la bonté? Est-ce qu'il a la voix émotionnelle? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est compréhensif? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce que machin? Si vous ne le voyez pas, sachez qu'il est en train de descendre. Et c'est la vie. Et c'est un choix. Et il ne peut rien faire au contre ça. Il doit vivre son karma. S'il a pointé dans le monde avant, il doit continuer de nourrir ça. Et il doit arriver à bas. S'il n'arrive pas en bas, il ne monte pas. Si la graine ne meurt, elle ne peut jamais. Donc, pour vous qui êtes là, votre travail donc maintenant, c'est le faire le chemin retour, le réveiller. Et maintenant, vous allez faire le chemin retour. Et dans le chemin retour maintenant, comme en descendant, hein, supposons que tu es né, tu avais les vibrations en toi au départ. Hein, tu étais la boule cosmique, là, tu étais là, tu étais tout chaud, tu étais amour et tout. Et dans ta chaîne, tu as pris la chaîne maintenant au début, là, avant de commencer à descendre, tu as dit, oh, mets-toi de côté, donne-moi l'argent là. Tu as moins 30. Tu t'es levé le matin, tu as dit, où sont ma bouche, je prends rien parce que là. Tu as dit, renvoyez-le. Moins 40. C'est comme ça que tu as chuté, jusqu'à ce que tu es arrivé là. D'accord? Maintenant, tu fais le chemin retour. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que tu harmonises, que tu transmutes encore tout ce que tu as planté dans le négatif et on le transmute comment? En limitant tout ce qui est positif à toute situation négative qui nous arrive. C'est pour ça qu'on appelle ça dans les tentations dans la vie. Qu'au moment où vous voudrez aller au prochain niveau de votre richesse, de votre spiritualité, de votre santé, de votre machin, il y aura toujours quelque chose qui va apparaître sur la ligne qui sera négative. Et si vous cédez, vous allez nous planter notre karma. Vous allez encore avoir la même expérience encore jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Donc votre travail donc en tant qu'être réveillé, c'est donc de vous rendre compte de ça. De manière que dès que quelqu'un vous verse l'eau, en passant, sans avoir encore une voiture, elle pousse l'eau, elle verse et elle s'en va. Ne dites pas, elle regarde moi ça. Non, vous dites, oh, c'est ma leçon, c'est sûr qu'elle verse l'eau à quelqu'un dans l'autre monde. Bien, il y a un an ou deux ans, il m'a rendu ça. Je te bénis et t'envoie la lumière. Tu viens d'annuler ce karma, ça ne se répétera plus. Mais si tu envoies encore, tu avais fait ça à quelqu'un.